Une route longue de 28 km est divisée en trois sections de longueur inégale. La distance entre les milieux des deux sections extrêmes est égale à 16 km. Quelle est, en kilomètres, la longueur de la section centrale? Voici la route longue de 28 km. Elle est coupée en trois segments de longueur différente. La distance entre les milieux des deux segments extrêmes est de 16 km. Ce que nous cherchons, c'est cette distance du segment au milieu, distance que nous appelons x. Appelons ces deux distances égales y et ces deux distances égales z. Nous voyons que y plus x plus z est égal à 16 et aussi 2y plus x plus 2z est égal à 28. De la première équation, nous déduisons que x est égal à 16 moins y moins z, donc x est égal à 16 moins y plus z. Et de ceci, nous déduisons que y plus z est égal à 16 moins x. De la deuxième équation, nous déduisons que x est égal à 28 moins 2 fois y plus z. Et dans cette équation, nous pouvons remplacer le y plus z par 16 moins x. Ainsi, nous obtenons que x est égal à 28 moins 2 fois 16 moins x. Donc, x est égal à 28 moins 32 plus 2x. Et de cette équation-là, nous déduisons que x doit être égal à 4. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est 4.